Pas logique. Waouh, Larry Time contre Nurse, ça va être spécial. Ça va être étrange, on va tester tout ça. Un petit générateur. Salut. Enfin, je vais lui dire salut parce que je sens que si je lui dis pas salut, il va pas arrêter de me tibat. C'est bon, je t'ai dit bonjour. Bon, tu veux le générateur, bah vas-y. Mais oui, mais pousse-toi, je peux pas te laisser la zone si tu te pousses pas. Mais oui, mais si tu te pousses pas, espèce de con, je peux pas te laisser la zone. C'est un blight? Qu'est-ce que fait un blight sur le PTB? Et il s'est trompé de jeu, lui. Il s'est trompé de jeu vidéo, le blight, là. Il y a quoi à tester sur blight, sur PTB? Il y a rien à tester, hein. Peut-être il y a un truc que j'ai pas vu, hein, mais qu'est-ce qu'il fout en blight? Oula, c'est bizarre. J'ai pas compris. Bah là, on a un blight dans la game en PTB. Ok. Tu es sûr c'est Nurse? Bah non, c'est pas Nurse. Hein. C'est pas la Nurse. C'est un blight. C'est le blight time. Je sais pas ce qu'il fait. Il teste un truc, peut-être, je sais pas. Il se dit, vas-y, go PTB, y a pas de matchmaking, je vais tester blight. Peut-être, hein. Possible. Ah bah voilà, il s'est follow. Voilà, merci mon Je sais pas ce qu'il fait. Merci pour ton follow, Abdullah. C'est très gentil. Merci à toi, Abdul. Abdullah, ça fait plaisir. Pas ce qu'il fait, hein. Monsieur Cogné, le type cognage. Oh, je vais tomber instantanément parce que j'ai très mal joué. Ça, c'est une vérité. J'ai plus. Ok. Donc, ok, j'ai plus de palette. Ça, il a faveur de sang. Normalement, je devrais y arriver sur la palette avant que. Voilà. Ça. J'ai des dards, mais ça sert à rien, certes. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Il teste des trucs, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il fait, mais bon, peu importe. On va tomber quand même, j'ai déjà lui. Voilà, j'ai déjà lui, hein, je suis dead. Ok, bon, il s'est trompé sur le truc, mais c'est pas grave. Je fais n'importe quoi, c'est nul ce que je fais. Hein. Ne reproduisez pas, c'est à chier. Hein. Ce que je fais, c'est nul à chier, c'est nul. C'est vraiment nul. Je joue très très mal. Hein. Ne reproduisez pas mon comportement, hein. C'est nul. C'est vraiment nul. Je fais n'importe quoi. Je sais même pas ce que je fais. Lui non plus, il sait pas ce que je fais. Personne ne sait ce que je fais de toute façon. Et s'il avait tapé avant, il me touchait. Hein. Il sait pas jouer. Hein. Non, quitte pas, frère. Il juste à taper dessus au plus tôt, tu me touchais. Si tu pas taper dessus plus tôt, tu me touchais. Pourquoi quitter? Ouais, ok. C'est exactement ce que je disais. C'est un mec qui a jamais joué Blight, je pense, ou qui tente de jouer Blight, ou en mode. À mon avis, il jouait Blight en privé, en public, contre les bots pour s'entraîner. Il a tout à fait raison, c'est ce qu'il faut faire. Et il s'est dit, je vais profiter du PTB pour mettre mon profil en privé, pour mettre le jeu vidéo en mode. J'active le mode anonyme, et je joue Blight avec les paires que j'ai envie, et je teste sans add-on, et je vois ce que ça donne. Et j'essaie de voir par rapport à ce que j'ai fait dans les games. Dans les games privés contre les bots, et là je peux m'entraîner parce que je sais que sur PTB il n'y a pas de matchmaking. Sur PTB il n'y a pas de matchmaking, tu mets Reddit et avec n'importe qui, ça te met pas en relation avec les gens de ton niveau. À mon avis, c'est ce que ce Blight faisait. Mais vraiment, ce que j'ai fait, c'était à chier. Contre un vrai Blight, en 2 secondes, je serais tombé. Hein. Après, j'ai essayé d'adapter mon gameplay par rapport à ce que j'avais en face. Je me suis dit, bon, potentiellement, c'est nul, mais ça fait rage-quitter des mecs. Mais après, il s'est trompé, il a pas tapé alors qu'il aurait dû taper 1 seconde avant. Il tape 1 seconde avant, il me met le hit. Hein. Il sait juste pas jouer. Après, ça peut arriver. Hein. Bon, ça fait toujours plaisir de louper un blight, mais c'est pas un vrai blight. Hein. C'est un mec qui, à mon avis, la seule fois où il a joué blight, c'était en partie privé pour tester contre les bots, je pense. Mais bon, GG à lui, il a essayé. Après, ouais, je comprends qu'il est quitté. Hein. Ça l'a saoulé la game. En plus, il tombe sur Larry. Genre, c'est la pire map possible pour essayer de s'entraîner avec blight. Vraiment. Tu veux t'entraîner avec blight, tu prends une Castle Tavern, tu vois, un truc comme ça, sympa. Mais Larry, pour t'entraîner, c'est le pire. Il aurait dû mettre une map. En plus, pourquoi il met pas d'accessoires? D'ailleurs, les gens qui mettent pas d'accessoires, c'est des trollers. Hein. Si vous mettez pas d'objets d'accessoires, c'est du troll parce que vous les avez infinis sur PTB. En gros, sur PTB, ce que tu perds, tu le perds pas, puisque quand tu auras un autre PTB, bah tu auras. Comment dire, il y aura eu 3 mois qui se sera passé à avoir un autre PTB, et ben tout ce que tu as sur ton compte public, tu l'as sur ton compte privé, mais deux semaines de retard. Donc bon, pas tout compris. Bref, GG.